Bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour la suite du Let's Play du Resident Evil numéro 2, épisode 17. Et du coup, on devait regarder rapidement les tenues. Alors du coup, au niveau des tenues, j'ai regardé vite fait, on a les tenues normales. Revenir aux tenues normales pour toutes les personnes. Bah, c'est déjà le cas mon frérot, et les tenues alternatives. La tenue alternative, à part pour vous rincer les yeux les mecs, je vois pas trop l'utilité. Du coup, on va la mettre. Et décontracté, Léon, il est extrêmement baisable, donc il y a moyen qu'on la mette aussi. Alors, j'ai échappé sans faire exprès. Alternative. Ok, c'est bon. Contracté. Blessé. D'accord. Bon, on verra comment il sera. Oula! Oh, il fait nettement plus chaud d'un coup. Bon, ok, bon, on va rester comme ça, du coup, c'est parfait. Ça, pour avoir un onglet porno et un onglet YouTube en même temps. Alors, je suis vraiment un connard, hein. Putain, quel sac à merde. Je veux dire... Voilà, ça, les gars, ce qui vient de m'arriver, ce qu'on appelle le karma. J'ai vraiment, genre... J'ai cru que j'allais mourir. Attends, je vais faire ça, utiliser mon QI à un peu plus de 10. Et si? On va mettre ça, parce que sinon ils vont venir nous faire chier. Oh mademoiselle, moi je sens, si, je sens que vous allez tomber dans les escaliers. What? Oh, c'est donc toi Didier. Comme tu dis. Je l'ai vu l'autre connard. Hein. Oh non. Tu peux mourir s'il te plaît. Mais. Culé. Bon, elle est pas morte, on le sait. Hein. Ce qui me semblait. Elle est morte? Elle est morte. Parfait. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ces messieurs, on peut récupérer Los Minicianos. C'est là que il y a le casier avec Cap, non? C'est vers ici, hein? Je crois. Oh, il a même remis... Oh, il a même remis le gaz, mais qu'est-ce qu'il est gentil, Léon. Il nous a remis le gaz. Il a pensé à nous, hein. C'est pas un connard, ce Léon. Je leur dis que c'était un bon gars. Alors... Je viens de perdre toute ma virilité en moins d'une seconde. Hein. En plus, sur le let's play d'avant, je savais qu'il y avait ce mec, mais j'ai chié dans mon froc. Alors... Cap, du coup. Je crois que c'est ici, hein. Yes! Je suis pas mécontent. De la dynamite. C'est super. De la dynamite! Encore! Et un casier vide. C'est moins bien ça. Ok, merci mon frérot. La boîte. Ah! Ça va être quoi? Ça va être un joyeux bleu cette fois-ci? Boîte ornée de joyeux. Elle semble contenir quelque chose. Ok, bon. Du coup, on va avoir la clé de Claire, je suppose, dedans. Mais oui, c'est Claire! On va aller se faire foutre, les frérots. Et oui. Ok, donc on a de la poudre noire pour faire des munitions, déjà, ce qui est pas mal. On va lui faire prendre une petite douche. C'est bon, c'est fait. Oh. Vas-y, tombe. Bon, là, cette fois-ci, j'ai pas eu peur. Hein. Non, mais faut le dire. Dire au moins. Ok, parfait. C'est pour le pistolet de merde! Oh non, je troll mort! Je troll mort, frérot! C'est pour le pistolet à 2 balles! Enfin, du coup, à 10, à 15 balles maintenant. Poto, poto! J'ai peur d'une mauvaise blague en fait là de suite. Ok, parfait. On a le détonateur.
What is this? Note interne. Code à 3 chiffres, résistant à chaleur placé au bureau. 9. 9, 15, 7. Les gars, vous retenez 9, 15, 7. Oh putain, attendez, je vais prendre une photo, sinon je vais oublier, je me reconnais. Hein. Je sais que je vais oublier et après je vais m'en vouloir. 9, 15, 7. Ok, c'est le fameux spray. La poudre supérieure blanche, ok. Putain, c'est chiant qu'on n'ait pas des coffres un peu plus près. Hein. Ok, encore des explosifs. D'accord, et il nous faudra donc... J'entends un bruit qui ne me va plus. Et il nous faudra du coup la clé USB que l'on n'a pas ici. Ok. Ça va être quoi comme arme? D'accord, le pistolet mitrailleur est ici. Ok. Ça marche. Note de Léon Claire. J'espère que tu trouveras ceci. Cet endroit grouille de monstres et ton frère n'est pas ici. Dit-il alors qu'il y a encore tous les monstres comme s'il n'était jamais passé. Tu vas en aller aussi vite que possible. J'espère qu'il n'était rien arrivé. Non, tranquille, je me suis juste fait mordre, t'inquiète. Mais sinon, c'est nickel. Heureusement qu'on n'est pas dans The Walking Dead, frérot. Hein. M'a terrifié ce connard. Pourquoi la musique s'est coupée, genre en bref instant? Ok, je crois qu'en bas à la safe zone, si on y va, il arrête de nous faire chier. Ça me fait juste légèrement chier que Mister XNXX y soit déjà là. Oh non. Excusez-moi, je devais régler le problème rapidement. Hein. On est bien ici, tu penses ou pas? Pas manquer ce gros connard. Les mecs, arrêtez de regarder, merci. Les meufs aussi d'ailleurs. Elle est si paisible, genre en mode. Qu'est-ce que c'est? What is this? Ok. Ça, je pense qu'on peut le déposer, on en aura pas besoin tout de suite. Ça, pareil, on s'en bat les couilles. Ça, pareil, on s'en bat les couilles. On s'en bat un peu moins les couilles, par contre, d'avoir absolument aucun soin. Ça, c'est un peu chiant. On va prendre ça. On va les combiner. On va les se faire foutre, pardon. Autant pour moi. Je ma fourche qui a longué. On va prendre ça. Oh, ça me fait chier, putain. Ça me fait chier qu'on ait activé Mister X. On va sauvegarder ici. Oh putain, ça m'emmerde qu'il soit là, ce con-là. Ok, on va partir tout en haut, par instinct de survie et surtout par instinct de fragile. Putain, heureusement qu'il a mis des talons aiguilles, hein. T'imagines s'il avait des chaussures genre en... Oula. T'imagines s'il avait des chaussures genre en... Genre en mousse, et qu'on pouvait pas le localiser. Oh, on vient de le one-shot. Encore. Oh, je me sens bien. Oh. Oh non. I'm gonna juice. Ce connerie. Fils de putain de cul. J'étais détendu. What? The fuck? Ok. Ok, on peut mettre le détonateur là, parfait. Ça, il arrêtera de nous faire chier. Ah! Non, vite, je dois sortir. Je sais qu'en sortant par ici, on est safe. Ouh! Je suis content. Y a pas un totem? Y a pas un totem. Ah d'accord, il a même pris soin de nous reniquer les étagères. Il est vraiment gentil, Léon. Hein.
Asterix, il est encore à côté de ce connard. Est-ce qu'elle va tomber comme lui? Bien sûr. Au plaisir. Ok. Didier. Oh, on l'a encore one shot. Les gars, c'est... Il est en haut, ce sale bâtard! Ah! Il est fou, ce bâtard! J'ai pas de palette! Ah! Aidez-moi! Il me regarde! Ah oui, toi ça va vite. Attends, je te fais juste le coup du chapeau, mon frérot. Voilà. Putain, mec. Ça me rappelle mon daron quand j'avais fait une connerie. Ok, des signes différents, évidemment. Oui. Ok, parfait. Oh. Ouais. J'aime les boîtes. Ta gueule! Merci. Ok, on peut ouvrir ça. Donc oui, j'aime bien. Ok, Lion Status. Oh, je peux sortir! C'est la paix, c'est la paix, c'est la PLS! Pardon! Excuse-moi, je suis un peu pressé! C'est pas très utile ça. Mais excuse-moi, je monte. Pardon. Oui, je sais, tu dois patienter, attends ton tour. Il est gentil, hein. Connard. Salle de stockage ouest. Ok, je sais, je suis pas parti récupérer le truc, mais je suis stressé. Il y a Jean-Michel derrière moi qui, visiblement, me fend le cul. À l'aide de sa grosse. Ouais! À l'aide de sa grosse pelle! En fait, ce connard, j'ai l'impression qu'il se téléporte. Genre qu'il peut despawn et respawn où il veut. Y'a rien là. Oh, c'était fermé parce qu'on a pas ouvert d'ici. Et oui, parce qu'on a croisé là, ce bâtard. Ça y est, je m'en souviens. Arrivé là et dès qu'on est ressorti, il était là. C'était là, hein? Ouais, c'était là. C'est là qu'on avait croisé le frérot. Ok, et ici on pourra pas ouvrir du coup. Voilà. Ouh! Parfait. On n'a pas développé la pellicule, les gars, je suis un sodomite. Je suis un putain d'enculeur de singe, mec. Ok. Est-ce qu'elle ouvre de autre chose celle-là? Oui, elle ouvre autre chose. Excuse-moi. Ta gueule. Oh, oh, oh. Y'a un truc là-dessous, tu penses ou pas? Pensez les frérots. Ouais, y'a un truc là. Regarde comme il me regarde, frérot! Putain! Ça me rappelle quand j'étais en CP et que je mangeais ma propre merde! Je faisais pas ça, c'est pas vrai. Bien sûr que non, mais normalement, vous me prenez pour qui? Manger ses excréments, quelle idée! Ah, il est quand même vachement bien informé sur la position à laquelle je suis, hein. Ce petit con. Il est encore là! Ce petit connard! Ouf! Statue de lion.
Ok. Ça, c'est une info utile. Ok, est-ce qu'on a de quoi faire des baloches? Des grosses baloches, même. Bien sûr que non. Mais non, bien sûr que non. Poudre supérieure blanche. Qu'est-ce qu'on peut en foutre de ça? Attention, les combines, ça fait quoi déjà? Non, ça fait... Oui, ça fait des grenades de merde, ça y est, je m'en souviens. Merci d'avoir été bien informé. Oui, ok. C'est pour créer des... Non, deux. D'accord. En plus, c'est marqué dessus, putain de Dieu. Ok. On va re-sauvegarder. Portez nos boulasses et affronter monsieur Mister XNXX. Sois pas là. Il est où ce connard? Me stresse vraiment pas. Mais combine-les automatiquement, connard de jeu! C'était quoi le code? Holy shit! C'était quoi le code, les frérots? Ouais! 9, 15, 7! Ok. 9. 15. 7. Are you fucking kidding me? Très bien, je pensais parce que j'avais tourné vers un côté au début. Je me suis trompé de côté en fait. Tout simplement. Voilà! Ça c'est une info qui fait plaisir. Ok les frérots. Ce qui me fait vachement chier, là avec Claire, c'est que... Alors déjà, si on peut ouvrir cette porte en théorie... Oui, c'est bon, on peut l'ouvrir. Ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y a pas de point de sauvegarde là au centre. Ou alors peut-être j'ai rien capté les frérots, mais... Ah! Marvin! Casse-toi de là! Pourquoi elle crie comme une fille qui a ses premières vraies glaces, là? Casse-toi un peu. Et y'a l'autre qui vient me repéter les couilles. J'ai pas de coffre ici, ça m'ennuie. Non mais c'est pas possible. Coucou frérot. Oh pardon, excuse-moi, je rate mes balles. Il a mis une tarte? Ou pas du tout? Je ne le sais pas. Ok. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu dans la merde via ma manip là? On va voir hein. En fait c'est juste pour pouvoir sauvegarder et je sais pas si on a des trucs à faire ici en fait. Un peu plus non. Bon on va faire une petite sauvegarde vite fait. On va en faire une autre au cas où ce soit une erreur d'être venu ici. Donc ça nous met juste en difficulté pour rien. On sait qu'on peut pas aller en bas, on le sait d'office. On pouvait pas ouvrir. J'aime pas ça. Ta gueule! Non mais excuse-moi, tu peux avoir une cadence de tir plus rapide que... Réflexe. Quelle flingue de merde! Comme tu dis. Mais personne se déplace comme toi, sale connard! Ah! Y'a encore le clochard au fond! J'en ai marre des poursuites. Mais j'en ai rien à foutre de la ville Raccoon City! Quelle idée de la meuf, elle est. Elle est occupée à réfléchir calmement et posément dans une situation où quelqu'un lui court après pour littéralement lui bouffer le fion. C'est limite agaçant tellement elle est calme. Ok, alors on a la note. Donc déjà, le lion. La statue de lion. Couronne, truc en feu et hirondelle de la rondelle. Alors. Couronne, truc en feu. Et hirondelle de la rondelle. Elle est là.
Parfait. Médaillon, c'est Raya Lyon. Oh putain, cette connasse là. Casse la bite, elle, hein. T'imagines, genre, il saute par là, genre, il fait une mid-volt. Ça va. Ok, on va faire tout le tour. Ça me stresse, ce pot ouvert ici. Putain de gros con. J'aimerais bien en fait buter les deux autres zombies de merde là qui est en haut. Alors toi, connard! Non mais... Non mais mec, je vais vraiment finir par croire que c'est un pistolet à billes! Ok, est-ce qu'ici il y a un putain de truc à récupérer? À part un bras gauche! Va vite ressortir avant de se faire fucked up. Ok. Faut récupérer le Greeny Luncher. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est vraiment la question que je pose trop souvent dans ce jeu. On va jeter la clé. Nyanyes. Wouhou. Il y a des problèmes derrière là. Hein. Ok les poteaux. On doit aller en haut, récupérer notre truc. Objectif, là maintenant. On se concentre, on se centre, on se déconcentre, on se recentre. On n'avait pas pu récupérer ses munitions parce qu'il y avait Mister XNX6 qui était venu nous faire chier, mais là maintenant on peut. Et ça c'est bien. Quel enfer. Mon dieu, ce flingue il a vraiment un rechargement affreux. Hein. Ok. What? Culé. Je sais pas s'il y a le liqueur qui va être là dans le. Dans l'esprit numéro 1, il y avait un liqueur. Ah, mais il est tombé! Et il est vivant! Attendez. Morceau de papier. Oh, connard. Ok, la statue de lion, donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Et là, donc, on en a deux. En vrai, le fait d'en avoir deux, ça fait qu'on a la troisième, du coup. Donc on s'emballait qu'un peu. Ok, et celle-là, donc c'est un bœuf suivi d'une harpe suivi d'un corbeau. Alors, bœuf, harpe. Il est où le corbeau? Il est là. Oui. Les amis, on avance. Ok, nickel. Keycard, ok. On va aller mettre la keycard in the bureau. Oh, on va faire le tour, mon ami. Non, non, mais laisse-moi tranquille. Tu connais pas ta priorité à droite. T'as jamais passé ton permis et tu m'emmerdes. Ah oui, j'avais pas vu ça. Maintenant, je l'ai vu, donc je le prends. Attends, attends, on n'a pas tout pris, apparemment, ici. Non, on n'a pas tout pris. Donc, tant que les salles, vous le savez, tant que les salles sont encore en rouge... Tant que les salles sont encore en rouge, ça signifie qu'on a... que l'on n'a pas tout pris. Oh putain, il y a l'autre connard. Voilà.
C'est assez pénible hein, d'avoir un connard qui te suit constamment. Hein. Ok, on a tout pris ici. Parfait. Oh putain, il est encore là. Les amis, sur cette pression intense, nous allons sauvegarder. Et du coup, les amis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Y'a... Oh putain, j'ai pas hâte de le revoir, ce connard. C'est pas du tout stressant. Sur cette fin absolument reposante et calmante, je vous fais de gros bisous, les amis, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.